Rollmaniacs est un jeu de cartes avec une once de pichenette pour deux joueurs sur le thème du rugby, qui avait connu un financement participatif en 2018 et qui a été retravaillé à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby. Le but du jeu va être de marquer le plus de points avant la fin du match, c'est-à-dire l'épuisement d'une des pioches de joueurs. On commencera par déterminer le premier joueur en lançant évidemment le toss. Premier joueur qui sera alors l'attaquant et qui choisira un style de jeu parmi les trois proposés. Les opposants vont alors choisir en simultané deux cartes de leur main, soit deux joueurs, soit un joueur associé à une carte tactique. On comparera alors la valeur d'attaque et de défense sur le type de jeu choisi. C'est-à-dire qu'on va faire la somme des valeurs sur la ligne correspondante au type de jeu choisi. Dans la colonne attaque ou défense, suivant si vous êtes l'attaquant ou le défenseur, on additionnera aussi la valeur dans les ballons si on a réussi à les compléter. Et on appliquera évidemment l'effet des cartes tactiques si on en a joué. S'il y a 5 d'écart ou plus entre l'attaque et la défense, c'est l'essai. Comme IRL, on va pouvoir tenter la transformation en jouant un jeu de pichenette entre deux cartes représentant les poteaux. Si l'essai est transformé, c'est 7 points, sinon 5. On change alors de rôle, l'attaquant devient défenseur et vice-versa, on refait sa main. Si l'écart est plus serré, l'attaque est supérieure de 3 ou 4, l'attaquant choisit soit de jouer au jeu de pichenette pour marquer 3 points et inverser les rôles le tour suivant, soit de ne rien marquer mais il reste l'attaquant et lui seul pioche une carte joueur pour un peu plus de choix. Si l'écart d'attaque était encore plus serré, l'attaquant rejouera un tour après avoir pioché une carte. Si par contre c'est le défenseur qui l'emporte, il devient immédiatement l'attaquant. Il existe aussi des cartes neutres beaucoup plus puissantes dont vous pourrez faire l'acquisition contre deux joueurs classiques. Mais attention, ne pas épuiser votre pioche trop rapidement. Bref, Ovalmaniacs, c'est un rugby manager, léger et rapide, propice au match retour, et probablement plein d'easter eggs liés au rugby. Mais faut pas trop m'en demander. Moi, je n'ai reconnu que Chabal et Chez Tonton, un lieu emblématique des nuits étudiantes toulousaines. On additionnera la valeur dans... La valeur dans les ballons, la valeur.